corpus des Écritures a un lien indissociable avec le corps du Christ ressuscité toujours vivant et avec l'Église qui est son corps, qui est le corps du Christ. Et dans l'assemblée liturgique où on annonce la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne, reprend l'expression de Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 11, 26, l'Église reconnaît son Seigneur qui lui parle chaque fois que l'Évangile est proclamé. Contemporanéité du Christ toujours vivant avec la parole matérialisée de l'Évangile. On peut donc parler d'une relation dialectique entre ces trois termes qui s'appellent mutuellement, réciproquement, le Christ, l'Église et le Livre. Le Christ est à la fois la parole définitive de Dieu à l'homme, et le Christ est aussi le oui, le Christ est aussi l'acte, le Christ est aussi la réponse totale de l'homme à Dieu. Et l'Église est la communauté suscitée par ce don et par cet accueil de la parole. Le livre des Écritures est le lieu où la communauté ecclésiale prend conscience de son être profond. Existe então o pó na Assembleia Litúrgica em que anunciamos a morte de Jesus, capítulo 11, 26. A Igreja fala que cada vez que o Evangelho é. A Igreja fala cada vez que o Evangelho é proclamado mais uma vez. Existe uma relação dialética entre os três termos, o Cristo, a Igreja e o Livro. O Cristo é a palavra definitiva de Deus ao homem e também a resposta total do homem a Deus. A Igreja é a comunidade suscitada pelo recebimento da palavra. E o livro é o lugar onde a comunidade eclesial toma consciência de seu ser profundo. Donc tout ça pour insister sur le fait que le christianisme est mieux qu'une religion du livre. Il est le lieu de l'autocommunication plénière de Dieu en Jésus-Christ. Et le Concile de Vatican II, surtout dans la Constitution